Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, déjà nous sommes le 23 novembre et en fait j'ai reçu mon colis swap calendrier de l'Avent avec Lily. Elle m'a dit tu peux l'ouvrir, tu peux déjà voir les goodies qu'il y a à l'intérieur et tout, mais bien sûr tu n'ouvres pas les cadeaux. Donc non, je ne vais pas ouvrir les cadeaux. Mais je me suis dit tiens, je vais le faire avec vous et comme ça en même temps en fait je vais vider tout ce qu'il y a là. Et je vais venir mettre tous les trucs là et tout, et comme ça au fur et à mesure, bah, s'il y a des goodies que je peux ouvrir ou quoi, bah, je les ouvrirai automatiquement avec vous. Et après, on se retrouvera du coup le 1er décembre. Je me suis dit, tiens, je veux le faire avec vous, ça me fera une petite compagnie comme ça. Donc du coup, bah, je vais tout débarrasser, on va tout mettre en place ensemble, et on verra s'il y a des petits goodies, on les ouvrira du coup ensemble. Donc là, je vais vous faire voir approximativement l'intérieur du colis, à savoir que tout est retourné. Tout est retourné. J'ai ouvert le paquet, j'ai vu comment c'était à l'intérieur, j'ai fait une petite story sur Instagram et après j'ai demandé à monsieur de qu'il essaye de tout palper, de secouer légèrement et vérifier qu'il n'y a pas de casse. Vu que je peux pas vérifier tout de suite la casse, ça aurait été un swap, je l'aurais vu tout de suite et là en fait il a juste regardé comme ça vite fait. Du coup, je vais vous faire voir vite fait à quoi ressemble le truc. Il ne ressemble plus à rien. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et du coup, ben, moi je vais voir avec vous les goodies, tout ce qu'il y a et tout, etc. Donc voilà, j'essaie de vous reposer. Voilà, bon. Et ben, on va tout mettre en place dans ma petite case. Je sais pas si je vais mettre dans l'ordre ou si je vais mettre dans le désordre. Ça, je sais que c'est la case numéro 1, mais elle l'avait dit. Je vais essayer de. Hop. Voilà, on a trouvé une petite place. Donc là, pareil. J'ai encore des petits pochons. Alors là, j'ai une petite boîte. Il n'y a pas de numéro. Je vais me mettre sur le côté et après, je verrai si c'est un truc que je peux ouvrir ou si je peux pas ouvrir. Après, je vois ça aussi. Il y a un petit lutin. À savoir, j'en ai commandé un ce matin. Parce que j'en trouvais pas sur internet. J'en ai commandé un ce matin. La commande n'est pas encore partie. C'était sur AliExpress. Quand j'avais fait une commande sur AliExpress. J'en ai pris un en même temps. Du coup, bah, je vais annuler la commande. Et là, je vois un G. Je crois que c'est le G de Jiffy. Ben, moi, de toute façon, moi, je vais pas vous mentir, je voulais mettre plein de trucs de Noël, tout, etc. Alors, je sais pas pourquoi. Mais par chez moi, rien du tout. Même pour moi, je voulais acheter de la décoration, mettre des petits trucs et tout. Ben, j'ai rien trouvé. Je sais pas. Dans le Nord, on fête pas Noël cette année. Donc, il y a rien du tout dans le Nord cette année. Ça, c'est pour mon chéri. Elle connaît le spécimen. Elle a compris. Ensuite, là, j'ai un petit pochon. Il n'y a pas de numéro. Je vais regarder après. Là, ici, ça, je sais ce que c'est. J'ai ma petite idée. Bon, je vais le mettre comme ça. Par contre, c'est mes enfants. Ils n'ont pas intérêt de venir mettre leurs mains là où il faut pas. Donc là, pareil, encore des petits pochons. Ça, c'est trop beau. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé ça à Stokomani. Et ça, si je dis pas de bêtises, ça, c'est le menu. Donc ça, on va pas l'ouvrir. Voilà, là ici, bon, c'est le numéro 19, donc je peux le mettre dans le fond. Là ici, nous avons une belle pochette. C'est le numéro 2. Déjà l'emballage, il est trop beau. Voilà, j'ai ça. J'ai un petit truc pour faire des chocolats chauds. Et j'ai des petites guimauves. Donc ça, c'est des petits goodies. Ensuite, là, je vois qu'il y a ça. Donc, il y en a deux, je suppose que c'est pour mes enfants. Et ça, mes enfants, ils sont nuls. Parce que ces trucs comme ça, ils s'aventurent pas. Si c'est une sucette, tu le trempes dans le truc et ça pète dans ta bouche. Mais ils veulent jamais goûter. Donc ça sera pour moi. Donc là, il y a une petite carte. Donc ça, c'est pour parler pour notre swap et tout. Je suis trop contente, ça va faire du baume au cœur, tout ça. Là, pareil, il y a une petite boîte avec pas de numéro. Ah, un petit calendrier Lindt. Ouais, c'est ça, ouais. Donc il y aura un petit chocolat en plus tous les jours. Donc je vais le mettre... Donc là, j'ai deux cadeaux et j'ai une petite pochette où il n'y a rien. Donc là, c'est une boule de chocolat mini. Donc ça, bah, je vais vous faire voir du coup les goodies. Donc elle m'a mis des masques comme ça. Ensuite, des masques comme ça. Alors tu me diras où tu as trouvé tes masques. Parce que moi, pareil, c'est des trucs que j'ai voulu mettre et franchement, j'en ai trouvé aucun. Ensuite, il y a ça, je ne connais pas. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a trouvé ses masques, mais moi... Je vous jure, j'ai voulu mettre plein de trucs de Noël et j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé. Donc là, elle m'a mis ça. Ça, normalement, c'est un normal
et je l'ai déjà, mais je l'aime beaucoup. Donc c'est très très bien. Là j'ai deux plaquettes de chocolat. Donc ça je vais le donner à mes enfants. Je suppose que c'est peut-être pour eux aussi. Ensuite j'ai deux petits savons. Savon de Marseille au lait de chèvre. Parce que dans l'ancien swap, elle avait donné des savons. Ils sentaient trop trop bon. Du coup j'avais demandé si elle pouvait m'en remettre. Et elle m'en a mis deux. Ensuite ça c'est une crème pour le corps. Ça, si je dis pas de bêtises, c'est sur le site de Lily. De Lily, de Ella. Ah, mais ça sent trop bubblegum. Ouh. Ça, je vais vite le tester. Et ensuite, un petit comme ça, baume à lèvres, dans le thème de Noël. Ah, bah voilà! Je suis en train de me casser les fesses. À tout bien ranger et en fait j'aurais pu tout mettre dedans. Ben, je vais voir si je peux mettre dedans, mais pareil je vais le mettre où, mais c'est trop trop bien, comme ça je pourrais le ranger dedans. Après elle m'avait mis une guirlande, et soit si vous allez voir plein de paillettes. Alors moi j'avais pensé à mettre de la fausse neige, je dis non je vais pas lui faire ça et tout. Elle m'a mis des paillettes, je pense que les paillettes c'est le truc le plus dur à ramasser, là j'en ai partout par terre, mais bon. Donc voilà, maintenant on dit vivement le 1er décembre pour pouvoir ouvrir tout ça. Bon, j'espère que l'intro, entre guillemets, vous aura quand même plu. Et on se retrouve le 1er décembre. Bon, on se retrouve du coup le 1er décembre en compagnie de Timéo et Gabriel. À peine réveillés, donc on a vu les petites bêtises du lutin. Ils ont déjà ouvert leur calendrier. Ils m'ont dit, hé maman, toi aussi, il faut que tu ailles ouvrir le tien. Du coup, bah, tête dans le cul, hein, à peine réveillée, on va ouvrir un calendrier. Tu me donnes la case numéro 1? Et je pense que vous allez sûrement les voir tous les matins parce que bah, ils vont être curieux de savoir ce que c'est aussi. Et le 1, tu l'as vu tout à l'heure en plus. Oh, c'est dit. Oh, c'est oui. Merci. Alors, c'est quoi? Ah, j'ai oublié avant. Il y avait le petit menu. Donc, le petit menu dans l'enveloppe, comme ça. Attends, 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 mets droit. hop là, voilà. Alors, menu. Donc, un, ta passion du moment. Alors, c'est quoi ma passion du moment? Alors, je vais m'excuser, mais j'ai un petit peu la tête dans le cul, hein, c'est le réveil. Bah, ta passion du moment, c'est maquillage. Ça fait un petit moment. C'est un petit article bisounours. C'est pas ma passion du moment, j'ai toujours aimé Bisounours. Mais c'est juste que dernièrement, il y en a beaucoup sur Shein. Ah, super! C'est la serviette pour les cheveux Bisounours. Ensuite, il y a encore un petit truc dans le fond. Donc là, c'est la pochette du coup. Ah, puis elle l'a remplie! Trop bien! C'est la pochette Bisounours. Parce qu'il y a une collection complète bisounours sur Shein. Tu l'as vu déjà la pochette? Ben non, je l'ai pas. Avant, tu l'as vu? Je l'ai jamais eu. Pour ça? Oui. Ah, ben il y avait juste bisounours. Donc là, nous avons des petits pinceaux. Donc là, c'est des pinceaux pour le teint. Oh, comme ceci. Ils sont trop beaux. Non, je ne vois pas. Je te vois pas. Voilà. Voilà, donc les pinceaux, trop bien. Ensuite, ah, super. C'est le bandeau quand on fait les masques. Il est trop, trop beau. Et donc, du coup, je disais, c'est pas ma passion du moment, j'ai toujours aimé Bisounours, mais en ce moment, il y a une collection complète sur Shein. Et je crois que je lui fais une wishlist avec quasiment que du Bisounours. Mais c'est trop bien. Donc, prochain article, tu nous ouvres tout, hein. Il m'attend pas. Un recourbe cils. Bah attends, laisse ton frère, il va l'ouvrir. Laisse ton frère, il va l'ouvrir. Oui, mais attends, ça va partir en dispute. Bah, laisse-le sortir de la pochette. Vas-y, tiens. Je peux même pas ouvrir mon propre calendrier. Donc voilà, un recourbe-cils. Il est trop beau. Bisounours. Voilà, c'est trop beau. Bon, c'est juste le packaging hein, qui est trop mignon, mais je vais le garder. Ah, si, il y a aussi des petits. Donc, il y en a quatre et à chaque fois, il y a un petit motif du bisounours. Trop, trop bien le jour numéro 1.
Donc plein de petits cadeaux dans un cadeau, c'est trop bien. Voilà, je vais compléter ma petite collection bisounours. Il n'y en a plus? On a fait. Il n'y a plus rien! Il n'y a plus rien! Mais Donc moi voilà. là, Bah non, on ne peut pas voir les autres. moi j'ai fait que ça. Bah demain, c'est toi qui trouveras le numéro 2 qui nous donnera, d'accord? Ok. Ça va être des disputes tous les jours. Bon, bah on se retrouve demain. Bon, nous sommes toujours le premier. Je vous retrouve, c'est juste pour ouvrir les petits paquets là, de goodies que j'avais pas ouvert avec vous. Et il y avait aussi une autre boîte. Je sais plus où je l'ai mis. Et c'était une pierre pour faire des soins. Ça, elle m'avait demandé si j'en voulais. Je l'avais dit oui, du coup, elle me l'avait mis. Donc, je savais ce que c'était. Donc là, je vous retrouve 1 heure plus tard, toujours la tête dans le cul. En plus de ça, j'ai la crève, mais c'est pas grave. Du coup, dans ce petit pochon-là, alors, il y a ça. Ça, je suis au courant parce qu'elle l'avait mis sur Vinted et je voulais lui acheter. Et du coup, ben. Enfin, je l'avais demandé l'odeur. Pour ça, ça sentait bon avant de lui acheter. Et du coup, ben, elle m'a dit ben, je te le mettrai dans le swap. Ensuite, il y a cette poudre de chez Laura Mercier. Celle-ci, c'est pour mettre en dessous des yeux. Pareil, j'étais au courant. On venait à parler de la poudre. Elle m'a dit attends, j'en ai une que j'utilise pas. Je te la mettrai en goodies. Ensuite, je vois qu'elle a mis 2 fards mono de la marque. C'est GC, je ne connais pas du tout, mais je crois que j'ai déjà vu passer sur son feed. Donc voici le verre. Je vais. Ok, comme ceci, il est très très beau. Et le bleu. Le bleu, il est super beau. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de swatch, donc j'ai pas utilisé de maquillage. Et ensuite. Elle m'a mis le fond de teint lisse. Alors moi je l'ai, je l'adore. Mais pourquoi tu me l'as mis toi du coup? Parce que je sais que quand on a fait le swap l'année dernière, elle devait recevoir suite à une box. Peut-être qu'elle l'aime pas, peut-être qu'il est trop clair ou trop foncé ou pas assez courant, je sais pas. Je lui demanderai, mais bah, du coup, trop trop bien. Et je pense qu'il est un petit peu plus clair que celui que j'ai déjà à vue d'œil comme ça. Ouais, il paraît plus clair. Donc, bah, ce sera peut-être ma teinte d'hiver du coup. Donc, la petite pochette, elle est vide. Et ensuite, il y avait ça. Et dedans, nous avons une petite paire de chaussettes des petits rennes. Alors, moi, ça, c'est les chaussettes dodo. Je mets ça tous les jours pour les faire dodo. Donc, je vais les mettre aujourd'hui pour squatter mon canapé. J'ai la crève. J'ai vu mon médecin. Elle me dit, oh, t'as l'air pas bien. Je me dis, oui, bah, j'ai un petit rhume depuis ce matin, migraine, tout ça. On va faire un test Covid. Je dis, non, j'ai qu'une migraine. Je dis, non, non, mais ce matin aussi, il n'y avait qu'un rhume et au final, il y avait Covid. Dis, oh. Du coup, bah, j'ai dû faire le test. Donc voilà. Donc, bah, du coup, je vais mettre les petites chaussettes là. Ah, j'ai des belles boucles d'oreilles. Donc voilà. Et je pense que c'était tout en goodies. Ah oui, et. J'ai pas ouvert le calendrier, la case numéro 1 en chocolat, mais ça je l'ouvrirai cet après-midi, je mangerai un petit peu de chocolat cet après-midi. Voilà. Bon, bah du coup on se retrouve demain. Bon, on se retrouve pour le jour 2, encore du matin de bonne heure. J'ai un petit peu moins la tête dans le cul aujourd'hui, encore malade, un petit peu moins, mais bon, ça commence à aller un petit peu mieux. Et aujourd'hui du coup, ah bah elle était là. Donc là aujourd'hui c'est le jour 2. Mais attendez. Non, ça c'est un numéro. Et Lily, hier elle m'a dit t'as dû oublier une boîte. Et hier j'étais complètement dans le coltard, je l'ai même pas vue. Elle était juste au-dessus. Donc le numéro 2 déjà. Ça c'est un super emballage, donc un super cadeau. Donc c'est bien écrit numéro 2. Je connais déjà l'indice parce qu'hier mon fils a commencé à lire les indices. Donc aujourd'hui, c'est ta maison va sentir bon, emballage facile. Donc on va ouvrir ça avant. Déjà là, il y a quelque chose. Ah oui, c'est une marque que j'avais trop envie de tester. C'est sur Maki Beauty et c'est un petit prix. Et c'est quelque chose qui sent bon. Donc là, un petit spray senteur. Je vais le sentir comme ça si j'arrive à sentir quoi que ce soit. Et ça, je sais que moi, j'en avais déjà acheté dans son. Dans notre swap qu'on avait fait. Ça sent trop bon. Ça sent trop 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 bon. Ça, je vais peut-être laisser dans ma pièce comme ça une fois que j'ai lavé. Voilà.
Et du coup, dans la grande pochette, donc je suppose que c'est un truc de la même marque. Et oui, je ne vous ai même pas dit la marque, c'est The Fruity Company. Donc là, c'est un petit truc comme ça et je sais même plus ce que c'est. Et c'est un sambon. Alors déjà, c'est trop beau. Donc là, ici, vous avez le produit. Et ensuite, vous avez, par contre, elle est juste trop belle, une rose qui est très, très bien attachée. Hop, ça vous fait une petite rose. Il faut... C'est pas grave, me casser. Il faut venir le mettre dedans. Et après, bah, l'odeur va venir s'absorber là-dessus. Et ça va se sentir bon à l'intérieur. Ça, c'est trop, trop bien. Et si ce truc-là, j'aime bien, je risque d'acheter les autres. Parce qu'à chaque fois que je fais une commande sur Maki Beauty, à chaque fois, je le mets dans mon panier. Et à chaque fois, je le prends pas. Donc, on va passer au petit cadeau comme ça. La musique. La musique, elle sort d'où? Ah, c'est juste quand on enlève. Ça dure pas longtemps. Alors, pour que tu puisses découvrir le site de Sève, celui-ci était pour toi. Déjà, je vois les petits papillons. Et c'est un petit bracelet papillon. Il est trop trop beau. Il est juste magnifique. Il est comme ça. Il est trop trop beau. Donc elle m'avait dit, je t'avais mis un petit cadeau. Elle dit, je crois que tu ne l'as pas vu. Elle dit, parce que te connaissant, tu m'aurais déjà dit quelque chose. Donc elle me connaît. Et il y a un petit sticker comme ça, papillon. Donc elle me connaît très bien que j'adore les papillons. Donc elle est étonnée que j'avais encore rien dit. Et je lui dis non, j'ai pas vu, j'ai pas fait attention. Et voilà. Donc eh ben, trop trop bien. Je le mettrai tout à l'heure sur mon poignet. Donc voilà, c'est tout pour ce petit jour 2. Donc là, ça va sentir bon dans ma maison. Encore merci. Bon, aujourd'hui nous sommes dimanche 3. Donc on se retrouve pour le 3 jours. Encore avec la tête dans le cul, encore au réveil. Gabriel à peine réveillé, lui il ouvre déjà son calendrier et moi déjà son chocolat. Maman, t'as été ouvert le tien? Non. Donc là, on va ouvrir en compagnie de Gabinou. Donc du coup, on va lire le petit menu pour faire peau nette. Donc je dirais que ça va sentir le truc pour nettoyer le visage, pour faire peau nette. Il me donne le paquet. Ah, il l'ouvre. Ah. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. What? Trop, trop bien. C'est le nettoyant de chez Bioma. Alors, à savoir que dans notre dernier soir qu'on avait fait, elle m'avait offert, enfin, il y avait des petits paquets de trois produits Bioma. Et je suis tombée amoureuse de cette marque. Je suis amoureuse de ce nettoyant visage. Là dernièrement j'ai plus rien, j'ai utilisé tous mes favoris qu'à chaque fois j'achetais souvent quand il y avait les soldes ou quoi. Donc là je teste des miniatures, attends oui. Donc là je teste des miniatures etc, et là, le dernier je l'aime pas. Et enfin je vais pouvoir nettoyer ma peau, je l'adore. Donc voilà, aujourd'hui c'est un petit nettoyant visage de chez Bioma, je suis trop contente. T'es contente toi aussi? C'est pas moi. C'est pas toi, moi non, c'est moi, t'en fous. Donc voilà. Bon, on se retrouve du coup demain. Demain matin, on va essayer de ne pas se retrouver au réveil. Hein? J'ai pas le temps de me réveiller, qu'il faut que j'ouvre tout de suite mon calendrier. Petit prout. Bon, à demain. Coucou. Bon, aujourd'hui, nous sommes lundi 4. J'essaie de faire quelque chose pour dire d'être présentable pour vous. Du coup, ben aujourd'hui, je suis toute seule et j'ai plus de voix. C'est super. On va ouvrir du coup le paquet 4 ensemble. Donc aujourd'hui nous avons un gros sachet. Donc c'est bien le numéro 4. J'ai plus de voix. Veuillez m'excuser. On va lire le petit menu. Tous les jours je le range dans sa petite pochette et tout. Donc le numéro 4. Alors, des indispensables à tester. Donc du coup je prends une petite paire de ciseaux pour venir couper le scotch. Je vois RT Real Technique, non? RT, ouais, des pinceaux de chez Real Technique. Alors, je n'ai jamais testé leurs pinceaux. Donc, c'est trop, trop bien. Je vois qu'il y a principalement
Ils disent des... Pour la face, la figure, check, je sais pas ce que ça veut dire. Et les yeux. Donc voilà, c'est un petit kit comme ça. Donc et bah écoutez, parfait, comme ça je vais pouvoir tester bah, du coup les pinceaux et voir ce que ça vaut. C'est vrai que la technique, c'est des pinceaux que j'ai jamais testés. Ensuite, nous avons une blender de ces jolies beauty. Donc elle est comme ceci. Et ensuite, une houppette. Sephora fait des houppettes. J'ai jamais vu qu'il y avait des houppettes chez Sephora. Et elle a l'air trop trop bien. Donc ça va aller au lavage. Je vais vite le tester. Et l'éponge là de chez Jolie Beauty. Jolie Beauty, c'est une marque que je connais principalement pour les palettes. Mais pas tout ce qui est éponge blender. Elle est comme ceci. Donc pareil, ça va partir au lavage et ça va être à tester. Donc ça au lavage, à tester. Je lave tout avant d'utiliser. Et pareil, bah, les pinceaux au lavage et à tester. Donc trop trop bien. Je vais pouvoir tester tout ça et enfin me faire un petit peu un avis sur la marque des pinceaux. C'est trop trop bien. Oui. Voilà. T'aurais pu prendre des roses, hein? Je rigole bien sûr. Coucou, bon, on se retrouve aujourd'hui. On est mardi 5. Hier, j'ai oublié de clôturer cette semaine calendrier. On va filmer jusqu'au lundi. Et en fait, le lundi, ça sera posté. Le dernier jour, ça sera le lundi. Et ça sera posté à chaque fois tous les mardis de la semaine. Donc, voilà, je voulais vous reprendre pour vous parler de ça. Et moi, après, je vais vous reprendre pour ouvrir du coup le numéro 4. Pour débuter bah, cette nouvelle semaine entre guillemets. Donc voilà, j'espère que ce petit calendrier vous aura plu, cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à la chaîne de Lily. Et on se retrouve la semaine prochaine pour voir la suite du calendrier. J'ai trop hâte. Bisous!